Sakouli, la plage de Sakouli, ceux qui ne connaissent pas. Je vous présente cette petite plage, d'accord, qui est toute petite. Et aussi, donc cette plage a un hôtel ici. Donc on a un hôtel ici qui est juste à côté. Hôtel-restaurant, donc on a le côté hôtel ici et restaurant ici. Donc c'est assez sympa. Voilà, il y a des canoës ici pour ceux qui aiment les déplacements en canoë. Il y a des planches de surf, etc. On a une petite îlot là-bas pour bien s'isoler, se détacher. Hein. C'est une îlot qui est autonome. Il y a des cocotiers là-bas. Il y a pas mal de choses. On peut rester là-bas, pique-niquer. Il n'y a aucun souci. Beaucoup de touristes ici. C'est très petit, mais beaucoup de touristes. Donc c'est assez sympa aussi pour venir avec vos familles. Pour ceux qui aiment les petites aventures, la plage de Sakouli, elle peut être idéale pour vos week-ends. Barbecue, il y a un emplacement barbecue là-bas. On peut très bien ici, d'accord, venir. Il y a un parking qui est très propre. On va aller voir tout à l'heure. Je vais vous montrer. On a un parking qui est, on va dire, propre, qui est refait. Et une parking qui est mise en norme pour les véhicules. Parce qu'avant, c'était des parkings en terre. Maintenant, c'est des parkings aux normes, d'accord, en dur. Donc, c'est bien. Donc, hormis cette beauté qu'il y a ici, d'accord, il y a toujours des failles. Vous savez déjà ce que c'est les failles. Les failles, c'est les déchets. D'accord? C'est les déchets qu'on peut avoir ici, à Mayotte, sur les plages. C'est... Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'est ce qui est dommage, en fait, chez nous, les déchets. C'est vraiment, vraiment dommage. D'accord. Alors, ici principalement on a du sable noir, d'accord, du sable noir. C'est vraiment les frottements du récif corallien, d'accord, qui est brisé, plus les frottements de cailloux qui donnent le sable noir. Là-bas au plus loin, on a du sable blanc. Ici c'est vraiment du sable noir. C'est vraiment joli. Ce mélange de couleurs. Alors ici, ici il y a des gens, mais je ne les vois pas. Ici, il y a là-bas, il y a des gens ici. Donc le problème qu'on a ici, c'est les déchets. Donc je vais bien quadriller la chose, d'accord. Les déchets, c'est le gros problème qu'on a ici. Donc il faut le savoir. Regardez toute cette beauté qu'on a ici. On peut admirer à travers ici, on se pose là, on admire le petit îlot où on prend une planche de surf, on part là-bas à la nage, où on prend un canoë, on part là-bas aussi, on va se balader, on va monter un petit peu dans les petites collines, le petit îlot qu'il y a là. Donc c'est parfaitement bien. Comme je le disais, c'est assez sécurisé, il y a de la sécurité ici. Il y a des gens qui veillent à la sécurité pour toute intrusion de délinquants, etc. etc. Donc je vous laisse imaginer la suite. Donc les quelques déchets qu'on a ici, c'est ça malheureusement la hantise pour nous ici. D'accord, les déchets. Et malheureusement, on peut que y vivre avec ça. Vous voyez, on a un petit peu du plastique ici, on a la tongue, d'accord. Et les gens qui viennent s'y baigner aussi laissent leur merde, d'accord. Les gens qui viennent sur les plages laissent leur merde. Vous voyez, là il y a une personne qui est venue ici, voyez, il a laissé sa merde ici. Voilà, le petit baobab qui est tombé, d'accord, très beau, qui est tombé ici, on peut monter dessus. D'accord, c'est très bas. La plage de Sakouli, ceux qui ne connaissent pas, voilà, vous découvrez avec Zokwel TV. Alors ici, on a une partie de l'hôtel ici, d'accord, vous voyez, c'est des hôtels, hein, je ne sais pas, c'est 400 euros peut-être la semaine.
pour ceux qui partent de la France, qui viennent ici, 400 euros peut-être à la semaine, ou je ne sais pas les tarifs exactement. Donc ici, vous voyez, on a transformé ce coin-là à une petite décharge. Malheureusement, les gens qui viennent ici pour faire leur barbecue, toujours pour vous sensibiliser à ce sujet-là, quand vous venez, il y a des poubelles qui sont en haut, mises en place, d'accord. On ira voir tout à l'heure, il y a quelques poubelles qui sont mises en place, donc c'est très propre, ils en prennent soin, donc faites l'effort quand vous venez de ramener toutes vos merdes, les canettes, etc., etc., parce que ça c'est pas tolérable, d'accord. Ici il y avait que du feuillage, d'accord, ils avaient jeté que du feuillage ici, donc jusque là ça va, mais les gens qui viennent faire leur barbecue, d'accord, ils laissent leurs déchets, donc c'est pas cool. C'est vraiment pas cool pour la nature. Donc à cette occasion, d'accord, j'en profite ici pour vous souhaiter la 17e édition de Rando Clean qui sera à Bandabois. J'ai oublié la date, ça sera le 12 juin. Ouais, 12 juin, 8h30 à 13h. Donc je serai votre coach animateur en second, d'accord, pour le côté sportif, motivation. Donc je serai là, je fais partie des membres, d'accord, maintenant, de Rando Clean. C'est une honneur de toujours être là, d'accord, tant que je serai présent ici à Mayotte. Tous les sorties, vous me verrez, les sorties Rando Clean, vous me verrez là, d'accord, il n'y a aucun souci. Donc c'était la petite info pour 12 juin, Rando Clean, nettoyage, grand nettoyage dans le village de Bandabois, d'accord. N'oubliez pas, je ferai un live dédié à cette occasion-là dans la journée. Je vous donnerai les modalités, les inscriptions, c'est gratuit, d'accord. Vous pouvez venir avec la famille, les amis, vos animaux, si vous avez des animaux, etc., etc., d'accord. Alors, on continue. D'accord, ici on a les hôtels qui sont là, il y a des touristes ou des résidents qui habitent ici dans le coin. Eh oui, Mayotte, c'est très beau les amis, et il faut le dire, c'est très beau. Mais le problème qu'on a, tiens, il y a des parachutistes là-bas, là. Ah, je pense qu'ils essaient de descendre ici. Donc une partie de l'hôtel, restaurant ici, le petit baobab. Allez, n'hésitez pas de partager le live les amis, pour ceux qui sont intéressés à avoir des infos pour la plage. Donc voici les infos, vous êtes en live, vous voyez ce qui se passe en réel, en temps réel, d'accord. Donc on va monter vers le dessus, vous allez voir la partie en hauteur, d'accord. Pour l'instant on reste vraiment focus sur la plage pour vous donner une perception de la plage, comment c'est. Le côté barbecue, c'est ici à droite, à côté barbecue. Après on dit une petite plage par la taille réelle de la carte et en échelle réduite, d'accord. Ici, quand on descend ici, c'est très grand, d'accord. C'est très grand, il y a assez, d'accord. Il y a assez pour beaucoup de monde. Donc il y a deux restaurants ici, deux entreprises, d'accord. Une qui est un petit peu plus loin là-bas et l'autre, on la trouve ici. D'accord, deux sécurisations sur les deux flancs, c'est-à-dire on peut avoir de l'intervention rapidement par des agents de sécurité qui sont sur les lieux, je pense. Hein. Donc, des lieux comme ça sont sécurisés généralement. D'accord. Il y a les jeunes qui viennent aussi pour le sport, l'école. Alors lui, il va essayer de descendre ici, sûrement, il va descendre sur la plage. Ou
je sais pas où il va atterrir. Ah, il va descendre ici, je pense. Ah non, il descend là-bas. Il va descendre vers le parking. Mais ça, c'est des mecs expérimentés, hein, parce que là, sur le parking, tu descends pas comme ça. Ou peut-être il va descendre vers la plage. Peut-être, peut-être. Alors attendons de voir. Il vient vers la plage. Ah là, il descend là-bas alors du coup. Il descend vers le parking. Ça, il faut avoir de la maîtrise pour descendre. Voilà. Où est-ce que tu vas descendre, vieux? Bon, on va pas s'éterniser là-dessus, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous donner les images en temps réel pour la plage de Sakouli, Sakouli plage. Donc ici, on a deux lieux de barbecue autorisés, c'est-à-dire des lieux spécifiques pour le barbecue. Après, vous pouvez improviser, mais faire très attention pour ne pas foutre le feu, parce que généralement, c'est ce qui se passe. Donc, il y a un point ici et un autre point que j'ai montré là-bas au début. D'accord? Et ici, on va avoir alors ici, on va avoir toujours, comme je disais, hein, les gens qui font leur barbecue et qui jettent. Ça, on ne change pas à l'équipe qui gagne, hein, bien sûr. Bravo, hein, bravo, bravo. L'état de la plage. En haut, je présume que c'est ça, hein. D'accord. Voilà la petite belle plage de Sakouli, donc pas mal, très intéressant, très intéressant, très intéressant, hein. Vous voyez, vous pouvez faire des sorties canoë. Pour pouvoir aller visiter la petite île qui est là-bas. Donc on fait demi-tour, les amis. Je vais vous montrer le côté parking de la plage de Sakouli. Comme ça, vous verrez à peu près, hein, avant de venir fréquenter cette plage, d'accord, qui est très fréquentée par les touristes. Donc ne soyez pas timide, vous pouvez y venir, d'accord.
Alors lui s'amuse avec son parachute. Ça c'est des mecs qui sont expérimentés à faire des parachutes. Hein. Donc ici on va prendre côté parking. On va prendre côté parking, route, pour que je puisse vous montrer où c'est que vous allez vous garer si vous venez ici. Voilà la vision des Mahorais, la vision, voilà, c'est ça la petite vision qu'on a. Eh oui, hélas. Donc un petit parking ici au plus bas, d'accord. Alors il y a un petit parking là derrière nous que vous venez de voir, on peut s'y garer. Vous voyez, c'est en dur, il y a du béton, c'est bétonné, d'accord. Il y a ce petit parking là, vous pouvez vous garer sur le long, d'accord. Genre le week-end c'est un petit peu rempli ici, il y a des zones aussi pour les barbecues, vous voyez déjà, hein. Voilà à quoi ça ressemble ici au niveau du parking. C'est assez grand, ça monte jusqu'en haut. Vous pouvez vous garer à droite à gauche. Donc n'hésitez pas à venir le week-end, c'est pas mal. Il y a des restos, vous pouvez dîner ici. Hein. Vous pouvez ne pas prévoir quelque chose à manger, il y a un restaurant ici, midi, soir. Vous pouvez manger tranquillement. Mais ce qui est dommage, hein, toujours, hein, on souligne, hein, le gros point noir, vraiment, c'est les déchets. D'accord. Eh oui, les gens, ils jettent n'importe comment. Il y a des zones dédiées, je sais pas. J'ai cru voir des poubelles, d'accord, qui sont mises à disposition. Maintenant, on va aller voir ça. S'il y a un regroupement des poubelles un petit peu plus en haut. S'il n'y a pas de poubelle, c'est vraiment dommage. Parce qu'il faut une mise en place des poubelles ici. D'accord. Il faut une mise en place de poubelles ici. Parce que c'est important de ne pas laisser les déchets comme ça là. Pour un endroit qui est très fréquenté. Ah ben c'est dégueulasse de voir ça, quoi. C'est assez dégueulasse de voir ça. Ah, je le dis, hein, je le dis. Hein, parce que... sur le parking qui est en bas, on n'a pas vu de poubelle. Là, ici, j'ai pas vu de poubelle. Donc, pour l'instant, les poubelles restent entre guillemets. Un grand restaurant hôtel qui est ici, eh ben, on devrait avoir des poubelles publiques qui sont présentes ici pour que on puisse venir récupérer les déchets, pour que la mairie vienne récupérer les déchets juste ici, parce que c'est leur boulot, quand même. Alors, donc, confirmation, d'accord, les amis, il y a bien une zone de poubelle ici, mais alors, on va voir ça en détail. Je vois une petite zone de poubelle ici, qui est un petit peu plus haut.
On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous voyez, tout ça c'est un parking. D'accord, jusqu'en haut. Ça reste un parking, la zone des poubelles ici. Alors, pourquoi les gens ils font pas l'effort? Eh ben ouais, d'accord. Les poubelles, elles sont pas là, ils les amènent ou quoi? Ah, elles sont en haut. Donc les poubelles, elles sont en haut. Ils ont ramené les poubelles à ramasser un petit peu plus haut. Alors, pourquoi les gens ils font pas l'effort d'amener leurs déchets ici? C'est ça que je comprends pas, ils jettent en bas. C'est vraiment dégueulasse. Ah, les gens, vous êtes vraiment, vraiment dégueulasses. Ceux qui font ça, ils sont vraiment sales. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. On peut pas faire ça pour nous, les amis. Jamais on peut pas s'infliger ce genre de comportement, ce genre de choses. Il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre ça, les amis. Il faut lutter contre les déchets. Contre la pollution. Eh oui, il faut lutter. C'est un combat, les amis. On a besoin de tout ça. Le lagon, etc. On a besoin de tout ça. D'accord? Je vous laisse sur ces images, les amis. On se voit peut-être dans une immersion dans une heure. D'accord? Je ne sais pas où on va s'immerger. Mais aujourd'hui, cet après-midi, une petite immersion, d'accord? Dans une ville que je ne connais pas, je ne sais pas. Allez, on va voir ça. Je vous dis à tout à l'heure, les amis. Bon après-midi à vous. À tout à l'heure, d'accord? Il y en a qui se disent, ouais, Kanikeli, Kanikeli, Kanikeli. On va voir, les amis. On va voir, les amis. Allez, bisous, bisous. À tout à l'heure.